Et c'est parti, Natsu versus Raphaël. Ça va être le premier appel à tous 5 qu'on voit en stream. Pour l'instant, Natsu qui mange le counter avec la série de Sting. La bombe, parfait, la bombe avec la position 1. Encore un plus ferme bicep. Ah, derrière, un combat de risque. Position B plus 4. Et JP, le tech trap qui passe pas parce qu'il ne se réveille pas. La charge, elle monte sous terre. Gohan, c'est direct, ça fait super mal. Voilà, voilà, il finit direct sur la possession. Pour l'instant, la Natsu qui régale en santé. Et ça passe. Oh là là là, ce RQV qui est en train de retourner. La Timberland qui régale Natsu. Voilà, le rappel qui finit complètement. Pour l'instant, qui domine. Lolo, on prend de la distance. Et encore, un plus B. Ah, qui régale, je donne, ça passe dans la gare. Un plus B. Ah, on va lui dire qu'il y a deux comme trop beau derrière. Allez, le Westerling Kick, la top en B, nature, qui passe, pas de problème. Oh, bon, alors, on a fait un ring out, bien joué encore, bien joué de la part, mais très très bon mind-game de Kerrigan. Kerrigan en round de striker en demi-finale de cette Sporting Cup traversée. Elle sort, elle sort de l'entrée. Allez, Gwen, qui va tenter de revenir un petit peu. Il se remet au milieu du ring, il veut pas prendre de risque, il a raison. C'était avant un point plus B, avant B, c'est pas sur la gare. Ah, plus B, ah, pas de problème. La bombe cancel, il la voit, Gohan, il réagit bien, le tech trap, un peu loin, voilà, évidemment, si c'est le relais, voilà, ça, ça fait mal. Ah, il a piqué, ah, BBB, encore BBB, c'est top, et non, bien joué, on fait le JPB, avec derrière la spécialité en B, Natsu Kerrigan qualifie la team, bravo pour la finale.